Salut mes petits loulous! Bon, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur quoi? Suspense. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais remercier une abonnée parce que regarde ce que j'ai reçu. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cristal de roche. Non mais allô quoi, le truc magnifique. Donc Annick, merci du fond du cœur parce que oh, c'est juste incroyable, exceptionnel, je trouve ça magnifique. Et voilà, ça va apporter beaucoup d'harmonisation chez moi. Beaucoup de comment dire. Le cristal de roche, vous pouvez aller regarder donc les bienfaits du cristal de roche, l'éclaircissement, l'harmonisation, l'éclaircissement sur les situations. Hein, tu sais, c'est vraiment la boule de cristal, quoi, tu vois, c'est du cristal de roche. Et j'ai toujours un cristal de roche aussi pour, par exemple, quand tu as besoin de te concentrer, d'avoir des réponses, quand tu tires les cartes ou autre, d'avoir tout simplement une solution qui vient à toi, d'accord? Le cristal de roche aide à harmoniser nos chakras et à aller voir plus clair. Ok, et amplifie aussi les bienfaits, les bénéfices des autres pierres que tu peux avoir avec toi. Voilà. Alors ensuite, donc je vais te montrer un nouvel oracle que j'ai commandé, que je trouve super joli. L'oracle de E, je crois que ça se dit comme ça. Pam Grunt et Colette Baron-Reid. Voilà. Et je les avais déjà vues, ces cartes-là, il y a un petit moment, sur la chaîne d'une collègue. Et je te montre le dos des cartes. Et j'ai trouvé super sympa, tu vas comprendre pourquoi, tu vas comprendre assez rapidement. Ça, c'est le dos des cartes. Et voilà, je vais te montrer par exemple trois cartes. Le devant des cartes, voilà. Regarde ça. J'aime bien parce que c'est clair, direct, le message, tu vois. C'est très lumineux, c'est très intemporel, j'ai envie de dire. Lâcher du lest, super-héros, ouverture facile, le cœur qui bat, haute tension, allô, j'écoute. Voilà, j'adore. Donc, on va faire un petit tirage avec ces cartes-là. On va regarder sur quel sujet on va faire ça. Bon, toi, tu le sais déjà parce que j'ai dû le marquer, évidemment, sur le titre de la vidéo. Alors, on va regarder. Hop. Alors ça, et puis on va utiliser aussi celui-ci, que j'ai déjà utilisé dans un tirage, mais je ne l'avais pas vraiment présenté. L'oracle du phénix. Pareil, donc de Damien Jacquemet. Qui est super beau, mais alors super beau. Super beau, regarde. Carte rouge derrière au dos. Voilà. Et eh bien, on n'a que des messages avec le phénix. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois, toujours un phénix quelque part. Donc on va travailler avec l'énergie du phénix, hein, le phénix qui est représentation de la renaissance, hein, le phénix vraiment transformation, renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est juste trop beau, l'heure est propice au changement, bah tiens, regarde, tu vois. Donc on va demander quel changement arrive dans ta vie, d'accord? Quel changement arrive dans ta vie? Donc je te laisse te concentrer sur le sujet qui t'interpelle, qui t'intéresse, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, le relationnel ou peu importe. D'accord? Et on va faire deux choix de tirage. Comme ça, tu peux choisir bah, quel changement arrive dans ma vie sentimentale, par exemple, et quel changement arrive dans ma vie professionnelle ou dans ma vie financière ou relationnelle. À toi de voir. Je vais faire le tas 1 et le tas 2. Donc, à toi de suivre. Alors, on est parti pour la première. Première question, donc pose-toi la question sur le changement qui arrive. Ok, donc on va regarder ça. Changement qui arrive dans ta vie, et à toi de choisir le sujet. Donc pose-toi la question, concentre-toi sur la question à laquelle tu aimerais avoir des réponses, que les guides te répondent. Alors, vers quel changement tu vas? Hop. On va regarder. Là, pareil, je vais en tirer. Donc, j'en ai combien? 3, 5 qui sont tombés. Donc, 5. Vers quel changement va la personne? 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, donc, tu as le temps de respirer, de prendre ton temps, de m'admirer si tu veux. Je rigole. Tant que tu trouves. Et là, quelle va être la transformation? D'accord? Voilà. Donc, on va aller en profondeur, évidemment. En utilisant quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser comme autre carte? Ah bah celle-ci, tiens.
Je vais utiliser aussi l'oracle de l'âme intuitive. D'accord? Pour t'aiguiller au maximum. Alors, on va regarder dans la première situation. Quel est le problème? D'accord? Ici, quel est le problème? La raison du problème. La raison du problème. Et en trois, la possibilité de résoudre les problèmes dans l'avenir. Et là également. Voilà, et ben on est parti pour équilibrer les choses, être dans l'égalité déjà, hein, ou dans la légalité peut-être, si tu fais des bêtises, pour trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, voir le message donc que tu as besoin d'entendre. Ok, alors on est parti pour le premier tirage, d'accord? Quel changement va avoir dans ta vie? Alors on parle déjà de quoi comme problème entre guillemets? Ok, besoin, apparemment, tu as besoin d'un nouveau chemin, d'un recommencement, d'une nouvelle voie, tu vois, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de nouvelles horizons, d'une naissance, d'une régénération. Donc on est en plein aussi dans les énergies du phénix. D'accord? Donc le problème, c'est que peut-être tu ne vois pas soit le bout du tunnel, soit tu ne vois pas vers où aller, tu ne vois pas quel chemin prendre, tu ne vois peut-être pas, voilà, c'est peut-être ça le problème, tu ne vois pas vers où, quelle porte emprunter, vers quel chemin aller, en quoi croire, voilà, c'est un petit peu ça dans la première question, que ce soit donc en relation avec professionnel, relationnel, sentimental, financier, familial, etc. D'accord? Donc le problème, c'est que tu sais pas trop où tu vas, d'accord? Et que quelque part, tu as besoin de quelque chose de nouveau, mais tu n'arrives peut-être pas à voir le chemin, à trouver ton chemin. D'accord? Alors, la raison de ce problème, pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce chemin? Parce que tu n'arrives pas à croire. Tu n'arrives pas à y croire aussi, peut-être. Hein? Tu vois? Tu n'arrives pas à avoir la foi. Tu n'arrives pas à croire en toi ou dans les autres. Hein? D'accord? Ou parce que peut-être tu as le sentiment de savoir. Où t'as... Alors, soit tu as le sentiment de trop savoir, du coup, bah, en fait, la porte, elle ne s'ouvre pas, parce que tu te dis, mais non, mais c'est bien là, c'est par là que je dois aller, alors qu'en fait, non, il y a quelque chose à comprendre, à entendre. Donc, on va regarder ce qu'on veut te dire par là. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ouais, c'est parce que tu as le sentiment de savoir ou de connaître la réponse. Alors que le problème, c'est que en fait, c'est certainement la solution, c'est quelque chose que tu n'as même pas envisagé. D'accord? Donc on va essayer de voir, hein, vraiment, de t'aider à trouver vraiment la lumière que tu as besoin. Parce que, effectivement, si tu es bloqué là dans quelque chose, c'est qu'effectivement, la solution n'est pas arrivée à toi. D'accord? D'accord, attends, je note un truc. Voilà, je note ça. Ok, ensuite, donc dans ce tirage, la possibilité de résoudre les problèmes à l'avenir, c'est de lâcher prise, c'est le dépouillement, c'est de se mettre à nu aussi, tu vois, la période de l'automne. Alors ça peut être aussi une solution qui arrive à l'automne, hein, d'accord? C'est peut-être aussi d'attendre l'automne, d'accord? Ce sera peut-être pendant cette période-là, mais c'est aussi d'apprendre à te détacher, de laisser passer le vent. De t'occuper de toi, parce que la fraîcheur, c'est un peu ça, c'est de te rafraîchir aussi les idées, de te rafraîchir la mémoire, peut-être, parce que c'est peut-être que tu as besoin d'une réponse qui viendrait en te rafraîchissant la mémoire. Ok. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est de te laisser vraiment. Aller, de laisser souffler le vent, de laisser emporter les feuilles qui doivent tomber, d'accepter que certaines feuilles doivent tomber. D'accord? Alors, on continue, on continue. Alors, ce qui va du coup se passer, on a la charité bien ordonnée. Alors, on va regarder la carte, ce qu'elle nous dit. On a la carte plein la tête. On a le tapis volant. On a après la tête dans les étoiles. Et après, on a toc, toc, toc. Alors, je vais un petit peu les découvrir avec toi. Alors, il y a une espèce de... Ce qu'on m'explique, ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce de reset. D'accord? Le changement qui arrive dans ta vie, c'est une espèce de reset pour repartir sur
pas des croyances, mais plutôt la foi en la vie, c'est-à-dire une confiance en toi, tout simplement. D'accord? Alors, on va regarder 34. C'est comme si il y avait peut-être eu des accumulations de certaines choses, et du coup, ben, le fait d'accumuler trop de choses, à un moment donné, on n'y voit plus rien. D'accord? Donc il y a besoin de lâcher des choses, de se laisser un peu se détacher du matériel, de se détacher de la matière, détacher peut-être d'une personne, le laisser faire sa route, la laisser faire sa route, voir comment ça va se passer plus tard, mais pour le moment, de se laisser effectivement tomber des choses, quoi, la carte du dépouillement, quoi. D'accord? Ouais, de se dire, bon, ok, j'arrive pas à résoudre ça, bah, je laisse tomber. Tu vois, t'arrives pas à résoudre, d'y croire ou de, t'arrives pas à aller au bout de tes pensées, etc. Ok, laisse tomber, mets de côté. D'accord? Donc, ce qui va se passer, on a la carte charité bien ordonnée. On te dit fini, le jeu des reproches. Il y a peut-être une histoire de ping-pong hein, aussi, si c'est un problème relationnel. D'accord? Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Donc, tu vas sur cette voie-là. D'accord? Pourquoi? Parce que quelque part, t'en avais plein la tête. Il y avait trop de choses, il y avait trop d'informations, il y avait trop de, peut-être, ou peut-être de possibilités aussi pour toi. Tu ne savais pas quelle voie emprunter, quelle était la bonne. D'accord? Donc, à un moment donné, on a besoin de tout lâcher pour vraiment voir laquelle est la bonne. Donc, il y en avait plein la tête. D'accord? Donc, arrive le tapis volant. C'est rigolo. Arrive le tapis volant. 42, 4 et 2, 6. Arrive enfin quelque chose qui va t'embarquer dans une énergie d'amour, dans une énergie de prise de recul et de prise de temps pour toi. Je vais lire la carte, le tapis volant. Alors, tu vois, c'est rigolo, hein, parce que tu vois, le petit livret, c'est très court, hein, tu vois, il n'y a pas besoin de lire 50 lignes. C'est assez direct. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le côté direct, tu vois. Allez, ouvrez. Voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous emmènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami. En route pour les enchantements et les miracles. Voilà. Donc, le fait de lâcher un petit peu tout ce que tu as en plein dans la tête, d'accord? Eh bien, le tapis volant va t'embarquer. C'est un petit peu la vie, quoi. C'est quelque part, c'est. Laisse-toi embarquer par la vie, lâche prise, vas-y, quoi. Permets-toi d'être dans l'amour de ce que tu fais. Donc, ce qui fait qu'après, tu vas avoir la tête dans les étoiles. C'est pas merveilleux, ça? La carte 18, la tête dans les étoiles. Je vais lire parce que j'aime bien. D'accord? Alors, on te dit, donc, vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse. Sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. Alléluia. Et qu'est-ce qui va venir frapper à ta porte? Toc, toc, toc. On va regarder ce qui va venir frapper à ta porte. Grâce à à ça, hein, grâce à ce dépouillement, à ce lâcher prise, à ce détachement, à se dire, bon, ok, peut-être que j'ai pas pris la bonne route, j'en prends une autre, tu vois? Ok. Alors, qu'est-ce qui va toquer à ta porte? Toc, toc, toc. Aurélie Magnétique, bonjour. C'est peut-être moi qui vais venir. Surprise, surprise, tu sais, les caméras cachées et tout. Je pourrais, je suis partout. Alors, non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins. C'est ça, tu vois. Peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Qui c'est qui frappe à la porte là? Va ouvrir! Toc, toc, toc. Ok? Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. J'adore. Bon, c'est ça. Et qui a frappé? Qui a frappé? On va voir le phénix. Qui a frappé? On a la carte de cette situation est nécessaire. Qui a frappé à la porte? Une situation nécessaire que tu devais accepter, accueillir, entendre, pour enfin voler, t'élever. D'accord? Alors, on va regarder avec la carte du phénix. Alors, pareil, c'est très court. Hein. Regarde la carte du phénix. Voilà. Pour moi, ce qui devait s'envoler, bah, tu vois, on tombe sur la déception. Ce qui devait s'envoler, cette situation, tu devais être déçu dans cette situation. S'il y a une déception dans cette situation, ça devait être. Tu devais ressentir cette déception. Tu devais, pour enfin, ouvrir sur d'autres choses
ou sur un retour à une communication, par exemple. Si tu as été déçu par une personne lors d'une communication, tu devais passer par là pour avoir la foi, pour comprendre les signes, pour comprendre qu'elle était nécessaire, cette déception. Alors, tu me diras en commentaire quelle déception peut-être tu as eue et ce que tu as compris, pourquoi elle a été nécessaire, d'accord? Pourquoi elle est nécessaire? Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Voilà ce qu'on me dit. Alors, on regarde. Cette situation est nécessaire. 78. Voilà. Bon, on me dit quand même que c'était une protection. Tu as dû te protéger. Bah écoute, c'est très bien si tu as dit non à un moment donné. Que tu as eu cette perte de foi, entre guillemets. Eh bien, c'est pour mieux la retrouver, hein. Quand on perd quelque chose, c'est pour mieux retrouver. Quand on perd quelqu'un, c'est pour mieux le retrouver quelque part. Perdre de vue quelqu'un, d'accord? C'est pour mieux le retrouver. Ok. Même la foi, hein, de perdre la foi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est pour mieux la retrouver. Alors, cette situation est nécessaire. Ah là là. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel. J'ai revu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps, auquel on avait vécu quelque chose de terrible ensemble. Et aujourd'hui, on s'est revu 6 ans après en voyant nos vies. Et on se dit, mais waouh, toi aussi, tu t'en es sorti, mais incroyablement. Et tous les secrets cachés ont été révélés. Et pour ma part, exactement la même chose. Ça a été. Voilà. Et ça m'a fait vraiment plaisir de revoir cette personne qui est très lumineuse et adorable. Voilà. Donc, on te dit, comme vous le voyez sur le dessin, le phénix se dirige vers un obstacle. Mais n'ayez crainte et continuez d'avancer, car cette situation est nécessaire à votre expérience de vie. Ne cherchez aucun responsable à cela. Cela n'empêchera en rien votre épanouissement. Bien au contraire, voyez cet obstacle comme une belle avancée dans votre vie. Il est là pour vous faire grandir. Voilà. Donc, en gros, si tu en as voulu à cette personne, à une situation, ça a été pour te faire grandir. Pour que quelque chose vienne frapper à ta porte. Voilà. Donc, comme c'est un tirage général, entre guillemets, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Et c'est fait exprès, c'est pour que tu ailles effectivement aller chercher à l'intérieur de toi les réponses. Allez, on continue avec le deuxième. Donc, je te laisse te concentrer pour demander sur quelle situation ce changement était nécessaire, ou quel changement arrive dans ta vie. D'accord? Donc on va regarder donc en profondeur avant ça. Le problème, d'accord? Le problème, c'était en relation avec les enfants ou ton enfant intérieur. Il y avait peut-être un problème avec les enfants, tes enfants, enfants d'une autre personne, les enfants de façon générale, qui représentent aussi l'amour universel, la pureté, l'innocence et peut-être le fait aussi de ne pas assez prendre soin de ton enfant intérieur. D'accord? Donc en gros, il y avait un problème en lien avec ça, avec l'amour universel, la pureté, l'innocence ou le fait de prendre soin de soi. Alors, la raison du problème, c'était le relationnel. Il y avait un problème relationnel avec les gens qui devaient t'entourer, ou une personne en particulier, d'accord, qui t'a peut-être fait travailler sur quelque chose parce qu'il y avait eu un problème de relation, ou dans ta relation tout simplement. D'accord? Donc la raison du problème, c'était la compréhension. Il y avait un manque de compréhension, il y avait peut-être un manque de compromis, un manque d'amour, ou un manque de compréhension, ouais, c'est encore ce que j'entends. Manque de compréhension avec qui toi tu es, ou qui toi tu étais, qui toi tu voulais devenir ou tu veux devenir. D'accord? Donc vraiment en relation avec l'enfant intérieur. Ok? Possibilité de résoudre ça, c'est les rêves. Ok, donc la possibilité de résoudre le problème dans l'avenir, en tout cas, c'est de garder toujours tes rêves, de te connecter toujours à toi, à ton esprit, par les rêves, de croire au pouvoir des rêves. La guidance et la direction est une solution. De te laisser guider ou de, voilà, de faire appel à une guidance intérieure ou par les rêves, par tes guides spirituels. Par ton ange gardien, ta foi intérieure, ton guide intérieur, qui tu veux, ce que tu veux appeler en fait ta lumière intérieure. D'accord? On me dit qu'il y a eu une dissonance entre ce que tu pensais intérieurement, mais finalement ce qui se manifestait dans la matière, c'est-à-dire les relations avec les gens. S'il y avait de la jalousie autour de toi, s'il y avait des gens qui te parlaient mal, qui te rejetaient ou qui avaient un comportement inadéquat, c'est tout simplement une relation que tu avais entre toi et tes rêves d'enfant peut-être aussi, hein, auquel il y avait une dissonance, d'accord?
Donc ça rejoint quand même le premier tirage aussi du fait que tu avais peut-être perdu la foi. Ça peut être aussi le fait que tu as trop fait confiance à des personnes et que du coup ces personnes te finalement révélaient tes doutes dans la matière, c'est-à-dire te casser tes rêves en fait, quelque part. Mais parce que toi intérieurement, t'étais pas à 100% à y croire. Donc ne lâche jamais tes rêves, encore une fois. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va regarder quoi? Eh bien, la première, qu'est-ce qui va se passer? Ah, l'amour! Le chiffre 7. Je dis ça, je dis rien. Hein. Chiffre porte-bonheur et magique. Et je fais un petit clin d'œil. Il y a une personne qui se reconnaîtra quand j'ai parlé du chiffre 16 et du chiffre 7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, l'amour. Peut-être auquel tu ne croyais plus. Ou peut-être il y avait un problème relationnel avec l'amour, avec quelqu'un, d'accord? Et auquel tu avais arrêté de peut-être de rêver par rapport à ça. D'accord? Et comme les tirages se suivent avec moi, si tu as regardé les deux tirages et que tu as demandé pareil sur l'amour, par exemple, eh bien le premier tirage disait que, ok, tu as dû passer par une déception et te dire, bon, ok, il faut que je tourne la page voilà, avec cette personne, ça va peut-être pas, je lâche prise, je laisse tomber, j'oublie, j'avance. Et ben finalement ça t'a appris quelque chose grâce au fait que tu laisses tomber cette histoire. Et là du coup il y a une relation entre toi et toi qui change. Et donc ce qui va t'arriver c'est l'amour. Donc est-ce que c'est un retour d'une personne ou est-ce que c'est l'amour tout simplement une autre personne nouvelle? Peu importe, j'ai envie de te dire, parce que tant que en fait tu travailles sur toi et que tu apprends finalement à réouvrir tes rêves et aller jusqu'au bout, sans te laisser influencer par les autres ou par leur peur, etc. Dans tous les cas, tu vas vers l'amour. Donc c'est juste magnifique. Je suis en train de chercher le petit livret depuis tout à l'heure que j'ai posé. Ah, il est là. Il est tellement petit qu'il est là. Il est beau, hein, t'as vu? Moi j'adore, je sais pas, j'adore les couleurs. Voilà. Ok, allez, on est parti. Ah, l'amour. J'adore. Suspense. Alors, Roméo et Juliette? Bogart et Bacali? Non, et Bacal. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que le L, je l'ai pris pour un I. Je raconte pas trop n'importe quoi, parce que là, je connais pas. Bogart? Bogart? Et Bacal? Et Bacal? Alors là, je t'avoue, je connais pas. Tu me diras en commentaire si tu connais. Vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Tu vois, c'est ce que je te dis, en fait, on s'en fout tant que c'est l'amour qui arrive. Croyez dur comme fer en votre rêve. Allez, tiens, alléluia, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est pas merveilleux? Ah là là, faites comme s'il était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses. Sans les épines, cette fois. Si, si, je te jure, regarde, c'est écrit. Sans les épines, cette fois. Voilà. Ok? Donc, ce qui arrive à toi, enfin, une renaissance par rapport à l'amour. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que là, c'est le jackpot. D'accord? Là, tu as décroché le jackpot. Pourquoi l'amour arrive à toi? Parce que tu as décroché le jackpot. Donc ça veut dire que tu as bien bossé sur toi. Alors, vous voyez tous ces billets? Ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci jackpot? Il serait sage de faire de la place. Bon, alors moi, je viens de. Voilà, le Gucci, je le valide pas, d'accord? Pas du tout même. Mais bon, tu comprends, ça veut dire juste que, bon, si tes rêves, c'est de. Comment dire? En fait, là, c'est vraiment aussi peut-être à poser une question par rapport à ta mission de vie ou à réaliser vraiment quelque chose dans ta vie qui te tient à cœur par rapport à ton travail, pourquoi ça n'a pas marché, quel changement arrive à moi, etc. T'as compris que le problème, en fait, c'est que t'étais peut-être en train de changer de vibration et du coup, t'es plus attiré par les mêmes choses. D'accord? Parce que quand on change de vibration, quand on évolue et quand notre conscience évolue, bah forcément, en fait, il y a des gens qui, sur notre chemin, ne nous correspondent plus. Et donc, quelque part, t'avais peut-être peur de laisser partir certaines choses. Je pense que t'avais peur de laisser partir certaines choses. Maintenant, voilà, t'as changé de. T'as changé de. Comment dire?
Tu as changé de prise. Tu n'es plus sur une prise de quelque chose. Tu as vraiment, ok, ça fonctionne pas, bah ok, je laisse aller et j'affine peut-être mes rêves, mes envies. D'accord? Et là, du coup, jackpot. Donc, il y a aussi de la réussite matérielle. Grâce peut-être à l'amour aussi, à l'amour de toi, à l'amour dans tes rêves. D'accord? Ce qui arrive grâce à cette matière, d'accord? À cet argent, à ce flux, eh bien, on te dit tout intriqué. Tout intriqué. Alors, on va regarder. Donc, ce qui arrive grâce au fait que tout ça se soit déclenché, vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nini, le fait est que vous avez déjà connecté, vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention que les jeux commencent. Voilà, donc très beau travail, très très beau travail, parce que enfin vraiment, tu as vraiment travaillé ça, les relations, d'accord? Pour comprendre en fait pourquoi il y avait des relations qui fonctionnaient pas autour de toi. Et donc, qu'est-ce qu'on va poser comme dernière question? Quelle synchronicité arrive? Oh, très jolie, la carte à deux. Ce qui arrive, c'est la vision des choses à deux pour moi, c'est la vision à rayon X. D'aller bien plus en profondeur, j'ai l'impression à deux si tu as besoin. Ça peut être avec un associé, avec une personne de ton cœur, ça peut être avec ton enfant, ça peut être. Voilà. Ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile, illusoire, démenu, tracas. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond, plongé dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Donc clairement, tu vas avoir des signes très très clairs, très très clairs du changement. Et ce changement sera quoi du coup? Il sera le lâcher prise dans l'instant. Voilà. Donc cette transformation va être vraiment vivre dans le moment présent. Ne plus peut-être calculer de faire ceci à telle heure, à tant de. Voilà, j'ai ce côté. Et encore une fois, j'ai l'impression aussi que quelque part, tu t'es un petit peu isolé par rapport à toutes les relations autour. Tu as pris un peu de recul en disant, bon, ok, maintenant, il faut que j'observe pourquoi je suis en miroir avec cette personne me dit ça, pourquoi elle me fait ça, pourquoi je vis cette situation. Il y a eu quelque chose qui t'est. Où t'es à l'intérieur de toi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, de cet enfant intérieur qui t'appelait, quoi, tu vois, hein, ou de tes enfants qui avaient besoin de toi, tout simplement. Ou tu as aussi pris du recul par rapport à tes enfants. Tu étais peut-être, par exemple, trop dans tes enfants, ou tu t'inquiétais trop pour tes enfants, et tu as appris vraiment à lâcher prise, etc., à aller plus vers tes rêves. Donc, forcément, les synchronicités arrivent à toi. Hein? Donc, allez, on y va pour la dernière carte. Le changement qui arrive à toi. La transformation, le lâcher prise. Attends, faut que je regarde parce que c'est pas numéroté, excuse-moi. Lâcher prise dans l'instant. Lâcher prise dans l'instant. Tu vois comme ça. Tu fais ce que tu veux quand t'as envie, quoi. Voilà, j'ai envie de chanter, je chante. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Tu vois, je me pose pas de questions. Voilà, pour certains qui regardent et à qui ça parle pas du tout, c'est les conseils qu'on te donne pour en arriver là. D'accord? Et lis les commentaires des gens qui disent « Ah, oh, mais c'est un truc de ouf, c'est exactement ça, merci Aurélie, etc. » Parce que tu vas comprendre que, ouais, ils ont fait un travail antérieur, d'accord? Et que c'est possible. C'est surtout pour que tu aies la foi et que tu continues à affiner tes perceptions, ta vision et à travailler encore ton intuition, etc. Allez, on continue. Lâcher prise dans l'instant. C'est fini? Hop, on repart. Alors, 60, on est parti. J'adore. Je kiffe. Alors, le moment est venu de lâcher prise. Donc ça, c'est la transformation qui arrive à toi, le changement. D'accord? Tu vas lâcher prise. Peu importe le sujet ou la situation qui vous perturbe, le phénix vous aiguille, et pas vous aiguille, vous aiguille dans votre choix afin que vous ne souffriez pas ou plus de cette situation.
Donc, de plus écouter ton enfant intérieur, d'être peut-être trop gentil aussi, d'accord? Par rapport aux relations, de pas oser faire le tri, de pas aller oser vers tes rêves, de laisser les gens brimer tes rêves ou dire non, tu devrais pas, etc. Non, on va toujours vers l'amour, ne l'oublie pas, d'accord? Hein, parce que l'amour apporte le jackpot, n'oublie pas que les gens sont jaloux si tu avances, si tout fonctionne pour toi, n'oublie pas donc de toujours rester dans le positif, d'accord? Et d'éliminer toutes les choses négatives, ou de les transformer, hein, de les transformer comment dire, en positif, d'accord? Par exemple, les rayons X peuvent être néfastes, c'est sûr, si on te dit « Ah mon Dieu, t'as reçu des rayons X pour aller faire une radio, etc. », c'est très néfaste. Ouais, enfin, en attendant, si ça m'a décelé quelque chose de grave chez moi et que je peux me guérir, merci, la vie, c'est positif, d'accord? Donc attention à ne pas écouter les personnes qui s'arrêtent à une de leurs peurs, en fait, au fond, hein, d'accord? Ou qui ne sont pas allées plus loin dans les connaissances. Va dans les connaissances, va chercher la réponse aux choses toi-même, en demandant l'aide de tes guides ou l'aide de ton intuition interne, d'accord, intérieure. La seule solution se trouve dans le lâcher-prise immédiat, afin que vous accédiez au détachement instantané. Il n'y a aucun combat à mener, la solution est dans le lâcher-prise. Voilà. Voilà, et ça, si tu as suivi le premier tirage, et que tu as choisi le deuxième, c'est que le premier, tu l'as déjà acquis. Donc, tu as déjà en fait accepté qu'il peut y avoir une déception en toi, que tu as pu ne pas obtenir quelque chose que tu voulais vraiment, vraiment, vraiment. C'est là que tu as lâché prise et c'est là que finalement, encore une fois, tout arrive. Voilà. Parce que c'est dans le lâcher prise que les choses arrivent. Voilà. C'est quand tu lâches que, bah, que les choses se dénouent. Donc, pas de dualité, pas de combat, pas de... Voilà. Laisse les choses faire, tout en travaillant évidemment, d'accord? Tout en étant dans la réflexion, mais en se posant, en prenant le temps. J'ai envie de tirer une dernière petite carte, donc ne pars pas. Oh, on va tirer une carte de prière aux anges. Voilà. Que ma jolie Evert. Evert, je ne sais plus comment on dit. Evert, c'est ça. M'a offert. Elles sont juste magnifiques, de Carl Gray. Voilà. Et on va demander un petit encouragement, un petit message, une petite synchronicité qui va te réveiller quelque chose, qui va te parler. Voilà. Un message en commun d'un signe qui va valider peut-être quelque chose pour toi ou t'envoyer une synchronicité. Allez, on demande un message fort, s'il vous plaît. Alors, en coupe, j'ai le miracle du pardon. Voilà, donc tu as peut-être travaillé sur le pardon. L'archange Jérémiel, qui est dans des énergies du plexus solaire. D'accord? On voit la lumière. Merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus du pardon. Et au lieu de détester, méditer. Merci ange de me guider vers l'amour par la méditation. Voilà. Si tu as demandé un signe, en tout cas, voilà un bel ange avec des ailes roses. Le mot méditer, au lieu de détester, méditer. Voilà, pour aller vers l'amour. Et la carte qu'on demande, elle est magnifique, c'est le pouvoir intérieur. Et oui, ton pouvoir intérieur, peu importe comment tu y accèdes, peu importe par la méditation, la prise de conscience, par des discussions, par du relationnel, par du sport, par le voyage, peu importe, tout le monde peut rechercher son pouvoir intérieur, tout le monde peut se connecter au Père divin, peu importe de quelle manière, ta manière sera la tienne. Et elle sera respectable. Attends, on a peut-être un extraterrestre qui essaye de nous communiquer un message. Respectable. Et j'arrive pas. Hein. Respectable. Aurélie, pourquoi gle? Gle. Il n'y a pas de gle. Pourquoi on veut me faire douter? On me dit concentrez-vous. Tu vois, regarde, on me dit concentre-toi. Concentrez-vous. Et oui, par contre, on a besoin de concentration pour... Excuse-moi, ça me gratte. Je te montre pas. On a tous besoin de concentration de toute façon pour arriver à obtenir quelque chose dans sa vie. La principale, ce n'est pas le travail acharné, ce n'est pas être tout le temps dans l'action, dans la force, dans la puissance et tout. C'est dans la concentration. La méditation amène à la concentration, mais tout simplement la réflexion ou se concentrer sur quelque chose va nous apporter un résultat. Hein, pour ressentir le magnétisme, par exemple, il faut se concentrer pour ressentir l'énergie. Il n'y a pas besoin de... Voilà, la concentration, c'est important.
concentrer son esprit sur l'intention, sur ce qu'on souhaite. Voilà, ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on m'a fait peut-être respectable, tu vois, alors que c'est facile à dire. Donc tout part de ton pouvoir intérieur. Alors on a le signe de l'aume. On a le signe, alors je sais pas, ça me fait penser à Shiva, tu vois. Ça a un peu de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attends. On a, comme tu peux le voir, un serpent autour du cou. D'accord? C'est. Moi, ce que j'entends par là aussi, c'est vaut mieux être ami avec des ennemis, parce que plus proche, d'ailleurs, on dit bien, hein, vaut mieux être plus proche de ses ennemis pour mieux finalement voir s'ils vont mordre, quand ils vont mordre, et plutôt les apprivoiser, en tout cas, tu vois, ou être les comprendre quelque part. Tu vois, j'ai un peu quelque chose comme ça. Bon, le serpent représente aussi représentation de la Kundalini. On voit la lune. On voit un homme en slip léopard. C'est peut-être un signe pour toi, je sais pas. Tu as peut-être demandé un signe. S'il vous plaît, montrez-moi un slip léopard et je saurai que c'est lui. Ouais, tu peux avoir des questions bizarres aussi, hein. On accepte hein, le jeu, c'est rigolo. Bon, merci Père Divin de co-créer mon monde avec moi. Donc, tu as certainement fait une demande d'intention. Je vais lire la carte, tiens, je vais la lire la carte. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on rigole. Attends, je vais regarder, 36 minutes la vidéo, ah là 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 là. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu quand même un travail de pardon. Tu as dû te concentrer pour un travail de pardon, pour comprendre quelque chose et pour te relier vraiment à un pouvoir divin, à l'amour, à la source, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais il y a eu certainement se concentrer sur un pardon, soit pour toi. Peut-être que tu détestais quelque chose en toi. Hein, ça peut être envers toi-même, hein, tout simplement. Hein. Et du coup, tu as fait une méditation. Tu as été peut-être dans le silence. Tu t'es peut-être concentré sur quelque chose au niveau de l'énergie ou travailler le pardon, le Ho'oponopono. D'accord. Tu t'es concentré sur ton monde, j'ai l'impression, sur ton monde intérieur, parce que besoin vraiment de rechercher cette paix et cette harmonie. Et puis, bah, je t'ai quand même signalé qu'on était dans la pleine lune là, du 15 août, qui était une énergie mariale. Et moi, je ne connaissais pas ce mot, tu vois. Et moi, j'avais en écriture intuitive, parce que j'ai fait une écriture intuitive récemment, et j'avais Marie qui revenait. Marie, Marie, Marie. Je me dis, ok, Marie, pourquoi Marie? Ok, Vierge Marie, ok. Et c'est après que j'ai vu que tout le monde écrivait qu'en fait, l'éclipse du... parce que bon, je ne peux pas être au courant de tout le temps non plus, je ne suis pas tout le temps à fond dedans. On disait que c'était l'énergie de Marie, et puis bon, bah, c'était l'Assomption. Oui, bah oui, je ne connais pas trop grand-chose, moi, en tout ce qui est religion catholique et tout, de qu'est-ce que ça a été, Marie qui a, machin, bref, je ne te raconterai même pas l'histoire parce que je n'ai pas tout à fait retenu, mais en tout cas, ça m'est venu quand même à moi, parce que du coup, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'expliquait, je lui dis, mais au fait, c'est quoi déjà le 15 août, là, le jour férié, c'est pourquoi? Parce que tu sais, à force, on oublie, hein, on se dit, ah oh ouais, c'est férié, alléluia, c'est les vacances, tu sais. Mais on oublie de demander, mais au fait, c'est quoi la représentation? Parce que c'est quand même important. Et c'est là qu'on m'a parlé de la Vierge Marie. Et là, regarde, regarde ce qu'on te met, c'est grâce à cet amour inconditionnel de la Mère divine. Voilà, cet amour aussi peut-être de ta maman, peut-être d'une énergie que tu as demandé, tu as peut-être voilà, en connexion avec la Vierge Marie, avec cette énergie-là en tout cas, le besoin aussi de purifier tes vibrations en tant que maman, plein de choses en fait, il y a beaucoup de messages là pour le coup, d'accord ? Envie que ça aille mieux dans ta famille, envie que ça aille mieux autour de toi. On parle de prière pour d'autres personnes aussi, envie de voir qu'il y ait des miracles, tu vois, de sauver des gens, entre guillemets, d'avoir envie que qu'on prie pour que la personne ne meure pas tout de suite, que la personne reste encore avec nous, tu vois. Il y a eu toutes ces énergies-là de pureté, d'envie de se sentir aimé, d'être comblé, d'être dans le don, de se connecter, quoi, tout simplement, de se connecter à l'énergie universelle, à la source. Alors allez, on est parti, on va lire la carte. Le message. Donc, écoute bien parce qu'il y a peut-être des choses que tu as demandées en synchronicité ou il y a des choses qui vont te parler. Signification générale. Vous avez la chance de recevoir le soutien du Père universel. Donc, on avait la Mère universelle, quelque part, la Vierge Marie. Hein, et la chaleur. On me dit la chaleur.
parce que la mère universelle, c'est la Terre Gaïa, d'accord? Le Père Céleste, c'est le ciel, c'est la connexion cosmique, la connexion tellurique de la Terre, c'est la Terre Gaïa. Et là, on me dit, en fait, la chaleur de la mère universelle. Hein, besoin peut-être d'une maman près de toi, d'une énergie maternelle, une connexion avec un enfant où tu te retrouves mère, quelque chose comme ça, ok? Vous avez la chance de recevoir le soutien du Père universel aujourd'hui. Vous avez en vous le pouvoir de créer votre monde et vous êtes incité à voir que ce pouvoir n'est actif que lorsqu'il est motivé par l'amour. Et oui, pas par la colère, la rage, la déception ou les vibrations basses. Donc, il y a une purification énergétique là, clairement. Il y a beaucoup de gens là qui avancent sur leur chemin, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et c'est très bénéfique, il y a des retrouvailles aussi dans les familles. Il y a beaucoup d'énergie des déesses, d'Égypte aussi. On retrouve beaucoup l'Égypte en ce moment. Il y en a pour qui ça va parler, ça va résonner. Beaucoup de pyramides, d'élévation. Voilà. Ok. Libérez-vous de tout sentiment toxique et estimez-vous heureux, car Dieu est avec vous aujourd'hui. Vous êtes tellement puissant lorsque vous prodiguez votre amour autour de vous. Alléluia. Interprétation plus large. Vous êtes encouragé par Dieu et ses anges à être un puissant leader d'amour. Il y a deux façons d'accepter le pouvoir. Vous pouvez l'utiliser pour instiller. D'accord. J'en apprends tous les jours à chaque fois que je lis les oracles. Vous avez remarqué? Instiller. Tu connais ce verbe, toi? Non, mais attends. Du verbe instiller, oui. Instiller la peur. Bon, vous pouvez l'utiliser pour, j'ai envie de dire, installer la peur et dominer les autres. Parce que instiller, franchement, je ne connais pas, mais je pense que c'est pas une erreur de frappe, parce qu'à chaque fois que j'ai sorti un truc comme ça, tout le monde m'a dit en commentaire « Non, oui, ça veut dire ça et tout. » Alors, dans la langue, machin. Bon, voilà. Instiller, je te jure, c'est écrit instiller. Instiller la peur. Bon, bref. Et dominer les autres. Ou vous pouvez donc l'utiliser pour guider et responsabiliser à la fois vous-même et autrui. Alléluia. Montrez l'exemple. Soyez le puissant leader chaleureux que vous désirez voir dans le monde. Vous êtes puissant et rempli d'amour. Shiva. Bah oui, c'est bien Shiva. Alors, tu vois, j'avais pas tort. Shiva. Shiva est le dieu hindou de la force et du pouvoir. Figure du père par excellence. Il est connu pour ses qualités de meneur et pour son énergie explosive. On l'appelle le destructeur et le danseur cosmique. Mais il est important de dire qu'il est une autre expression de l'amour. Oh. Ouais. J'ai plein de messages du coup pour moi qui arrivent, c'est génial. Lorsqu'il est invoqué, il détruit de nos vies l'énergie négative, mais il peut, tel le soleil, éclairer notre monde. Dans cet oracle, nous l'avons appelé le Père divin, car il nous confère soutien et force en tant que représentation de notre Père au ciel, c'est-à-dire de Dieu. Voilà, tu l'appelles comme tu veux, énergie, la source, peu importe, blablabla. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura apporté des réponses. Écoute, j'ai essayé de donner le maximum d'informations. Tu me diras si ça t'a parlé, si ça a résonné, si ça t'a apporté à libérer un peu de poids, parce que dis donc, je le sens quand même, hein, que t'as apporté des choses là, tu vois, donc relâche. Je pense que t'as ressenti qu'il y a eu un nettoyage énergétique durant cette vidéo. J'espère, tu me diras surtout, d'accord? Et on va faire une dernière conclusion avec un message tout simple de l'oracle des mandalas d'énergie. J'aime bien, j'utilise des cartes que j'ai pas beaucoup utilisées. Et ça, c'est pareil, ça c'est ma petite... Ah non, c'est Nathalie qui m'a offert cet oracle. Il est magnifique. Nathalie, regarde, je vais retirer une carte. Et oui, parce que j'en ai tellement d'oracles que j'essaye de vous proposer à chaque fois des choses nouvelles. Hein, et puis du coup, je fais un petit rappel à chaque fois. Et bouge pas ma petite Annick, parce que pour la fin, je te réserve une carte rien que pour toi quand même, parce que ce cristal magnifique que tu m'as envoyé, je te dois bien ça. Allez, on y va pour un petit tirage général, juste un petit conseil. Fais comme si. Voilà le conseil qu'on te donne. Fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Plonge tes yeux dans ce mandala qui t'envoie cette énergie, tu vois, de camailleux de bleu qui représente la communication. Et fais comme si, pense, sens et agis. Comme si tes vœux les plus chers étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Et on prend une grande respiration. Et on souffle et on libère les épaules et tout ça en se disant « Ok, c'est cool. » Et pour toi, ma petite Annick,
Et même si tu t'appelles pas Annick, bah écoute, il y aura deux cartes là qui ont sauté. Mais pour toi principalement Annick, comme ça que tu te sentes vraiment concernée. Écoute ton cœur. Waouh, plein de petits cœurs et une énergie toute douce. Oh, t'as vu, ça bouge tout seul avec la lumière. C'est beau, hein? Magie, magie. Écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le passé est venu. Pourquoi je dis le passé est venu, t'écouter? Non, le temps est venu d'écouter ton cœur. En fait, je voulais dire le passé est passé, tu vois. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Et la deuxième carte, apprends la légèreté. C'est pour ça que je ressens là, il y a un poids là sur les épaules, dans le dos et tout. Donc il va falloir vous... Tu vas relâcher. Moi, je vais aller nettoyer ça après, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Ça, je ressens que c'est pour des personnes qui ont peur de l'amour, qui ont peur de se dire je me trompe, etc. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Si ça doit revenir dans ta vie, si ça doit arriver dans ta vie, ça arrivera dans tous les cas. D'accord? Donc, permets-toi la légèreté, le lâcher prise, la détente, un peu de repos, un peu de vacances, un peu de souffle. Ok? Voilà les petits loulous, je fais plein de bisous, mettez des commentaires en bas, like, prends juste le temps de mettre un pouce, ça coûte rien un petit pouce, pour voir combien de personnes vraiment sont allées jusqu'au bout de la vidéo, déjà rien que pour ça. Combien de pouces il va y avoir pour combien de personnes qui sont allées jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, et continue ta route quoi, tout simplement, on continue tous notre route, donc autant le faire avec le sourire, n'est-ce pas? Voilà, je t'embrasse, je te fais des bisous et je te dis à très vite, ciao ciao.